à tous les Capricornes, bonjour. Je vais vous donner l'horoscope général pour le signe du Capricorne pour le mois d'août pour 2013. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, deux planètes, Jupiter et Pluton, vont faire une opposition. Ça veut dire quoi? Jupiter, c'est la planète de l'expansion et Pluton, c'est la planète de la transformation. Donc, quelque chose pour tout le monde, c'est possible pour transformer quelque chose qui est très profond et qui est très important. Ça veut dire quoi pour les Capricornes? Eh bien, pour les Capricornes, ça se trouve dans votre septième maison. Dans l'astrologie, la septième maison, c'est la maison de l'autre personne. Donc, si vous n'avez pas de relation, c'est le moment pour ouvrir son cœur c'est la possibilité que quelqu'un va entrer dans votre vie et ça va aller très très bien parce que Jupiter c'est une planète très positive. Si vous êtes dans une relation qui va très bien, pas de problème, ça va continuer et ça va devenir encore plus profond. Si vous avez une relation, c'est très très terrible. C'est la possibilité que ici on va faire des pas pour terminer et pour avoir la possibilité de gagner une nouvelle vie plus profonde et plus authentique et plus vraie. Donc c'est un peu profond pour les Capricornes, mais je pense que les Capricornes on va en profiter. Et voilà, je vous souhaite tout le bien et à bientôt. Au revoir.